5h20, départ pour Tam Dao. C'est super calme, loin de tout. À 74 km au nord-ouest de Hanoï s'élève une chaîne montagneuse qui culmine à 1592 mètres. Les trois plus beaux sommets émergent d'une mer de nuages comme trois îles. La jungle touffue de Tam Dao couvre des pentes escarpées qui semblent inaccessibles à l'homme. Au dire des montagnards, elle renferme encore bien des mystères. C'est à partir de 1904 que les Français ont transformé Tam Dao en station d'altitude, profitant d'un climat tonique et vivifiant. Constitué d'un demi-cercle dans un écrin forestier, ce lieu est traversé en son milieu par une belle cascade dont l'eau limpide lui a donné le nom de Cascade d'Argent. Par temps clair, la dentelle de la baie d'Along Terrestre se dessine sur l'horizon. Voilà. Donc après la visite du temple, arrivé à Tam Dao, voilà, je vais vous faire découvrir la visite d'une église en premier à Tam Dao. L'église de Tam Dao est l'un des rares vestiges de la présence coloniale française sur ce massif montagneux. Elle se trouve au centre du bourg. Grâce à sa position dominante, cette église majestueuse peut être vue de tous les coins de la ville. L'église a été construite en 1906 comme une maison sur pilotis modeste, puis reconstruite en 1937 avec de la pierre et selon le style gothique. C'est l'une des quatre églises de pierre les plus célèbres du Vietnam, avec celle de Sapa par exemple. La beauté saisissante et la vitalité du bâtiment sont restées intactes. Le climat rigoureux a ajouté une couche de mousse sur les murs de pierre qui rendent l'ensemble encore plus suranné.